Les partis politiques en vol a procédé ce samedi 16 janvier 2021 à Kananga au Kasaï central à la dotation des brèches, machettes et sacs aux habitants de la commune de Kananga et Nganza engagés dans les travaux anti-érosifs. Cette remise de matériel a été coordonnée par Willy Wishi Bakatushipa, élu provincial de la ville de Kananga, sous le label de la formation politique précitée. Selon ses propres dires, Willy Wishi Bakatushipa souligne que lui et le député national d'Eli Sisanga, Impungja Kassien Kaipu, s'étaient décidés de ne pas tout laisser à la charge du gouvernement. Moi et l'honorable Eli Sisanga, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas seulement laisser que le gouvernement qui est aussi en difficulté, le gouvernement provincial, de tout faire. Alors c'est pourquoi nous nous sommes déplacés ce matin. Nous avions fait le tour de la ville pour identifier et donner les sacs, les noeuds de bêche et de machette pour aider notre population à lutter contre les érosions. Après cette tournée, il dit constater que la population a compris les messages. Prenez-vous en charge pour s'être engagée elle-même dans les travaux anti-érosifs, tout en soulignant que les partis en vol ne s'arrêtera pas ici. J'ai constaté qu'aujourd'hui, notre population a compris ce que nous disons qu'il faut vraiment que la population puisse se prendre en charge. Parce que s'il faut seulement attendre que le gouverneur puisse venir, il faut que le bourgmestre... Des fois, vous allez constater que depuis qu'ils ont commencé, peut-être le bourgmestre n'est pas passé ici. Je suis vraiment très content de voir ce que notre population est en train de faire pour lutter contre les érosions. Geste salué de vive voix par les bénéficiaires de cet acte de générosité qui, en dehors des dotations des matériels, ont reçu une enveloppe des mains de cet élu provincial en termes d'encouragement.